On entend Sibylle, attention. Eh bien, nous sommes donc toujours à Nice Fiction, chers amis, qui nous écoutaient, qui nous suivaient depuis vendredi. Et nous voilà donc cette fois-ci réunis entre personnes de très bonne compagnie et de haute culture pour parler histoire et uchronie. Histoire et uchronie, ou quand l'histoire prend des chemins de traverse. Et ça va être l'occasion justement, eh bien, maintenant que l'uchronie, on peut le dire, est un petit peu ou beaucoup même très à la mode, on va essayer de voir un petit peu ce qu'en font les auteurs. Et parmi donc les quatre auteurs que j'ai avec moi, avec un point commun qui, de toute évidence, vous allez vite le constater, un profond amour pour l'histoire, une passion pour l'histoire des civilisations, pour l'histoire tout simplement des événements politiques. Alors, je vais vous les présenter. Tout d'abord, Patrice Kellard. Donc, bonjour Patrice. Bonjour. Alors, tu es en Bretagne, toujours en Bretagne depuis où tu te trouves exactement aujourd'hui, en ce moment Je suis précis? à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, c'est-à-dire officiellement en Pays de la Loire. Et justement, là, tu vois, l'histoire est importante. Oui, absolument, absolument. La Puisque question. 80% aux dernières nouvelles des habitants de Loire-Atlantique souhaitent rejoindre la Bretagne pour des raisons historiques, Eh oui, essentiellement. tout à fait. Ouais. Et j'en fais partie. Tu considères que Nantes est quand même la capitale de la Bretagne, rassure-moi. Oui, à égalité avec Rennes. D'accord. Voilà. Alors, tu as travaillé donc en fiction, bien sûr. Tu as publié ton roman Fratricide et de nombreuses nouvelles de science-fiction. Tu es passionné d'histoire et tu vas nous parler donc évidemment de ton rapport à l'Uchronie. Tu as eu le prix du roman de la gendarmerie en 2021 pour Place des Immortels, c'est bien ça? C'est ça. Place Voilà. aux immortels. Place aux immortels, pardon. Moi, j'étais déjà en train de te dédier une nouvelle place, tu vois, dans la cancel culture. Nous avions déjà créé la place, Patrice Kellard. Alors c'est marrant parce que Place des Immortels a été évoquée aussi dans les titres possibles, donc tu D'accord. Ah bah, tu vois, donc j'étais pas loin. vois. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça tombe bien, on va en parler. On verra s'il faut changer. Il faut des uchronies sur les immortels et notamment sur l'Académie française. Tiens. Ensuite, on a Benjamin. Bonjour, Benjamin. Bonjour tout le monde. Alors, bonjour à toi, ravi de te rencontrer, de te voir. Donc, tu es historien de formation, tu écris des nouvelles et des romans de science-fiction, et notamment, tu as écrit l'auteur des Mystères de Kyoshe. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce roman? Alors, Les Mystères de Kyoshe, c'est le seul roman qui n'est pas une uchronie, mais c'est D'accord. de la fantaisie qui est très inspirée par l'Orient, l'Orient un peu fantasmé, l'Empire perse notamment. D'accord. Et côté uchronie, mon principal roman, c'est le Grand Jeu, qui est une uchronie steampunk, donc au 19e siècle, Et et qui qui se se passe passe à Istanbul, enfin à Constantinople à à l'époque. voilà, une ville où je rêve d'aller depuis des années et des Il années. Donc faut, il ouais. faut. Tu y allais, Ouais. tu as pu y aller Non, je l'ai approché, Tu l'as mais approché? en fait, je devais y Ouais. aller l'an dernier, tout simplement. Et je me suis fait avoir par un Eh sacré oui, par une virus. certaine ouais. Bon, écoute, ce n'est que J'y partie suis allé en remise. imagination pour Ouais. l'instant, et j'y ai passé beaucoup de temps en imagination. Et puis, mon dernier passage en uchronie, si je puis dire, c'est dans le Paris des merveilles de l'auteur Pierre Pevel. Et cette fois-ci, c'est au D'accord. début du XXe siècle à Paris, donc. D'accord. Très bien. Donc, super. Et tu nous parleras aussi du rapport de la distinction éventuellement, peut-être que tu fais ou ne fais pas entre le steampunk et l'Uchronie. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup d'être là aussi. Ensuite, on passe à Yann Quéraud. Alors, attention, Yann Quéraud, un Bonjour. grand monsieur, Yann Quéraud, qui a travaillé beaucoup sur les civilisations, les mythologies, l'environnement. Tu as fait des études d'art et de langue orientale. Donc, tu t'es beaucoup tourné vers l'histoire de l'Asie, en particulier l'histoire du Japon, hein, si je ne me trompe pas, puisque ton dernier roman s'appelle L'impératrice secrète du Japon. Il date de mars 2021, donc il est sorti très, très récemment. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette impératrice secrète du Japon, comme ça on te situe dans ton travail d'historien? Oui, alors c'est assez particulier. Bon, mes deux derniers romans sont très historiques, et donc ce dernier sur l'impératrice secrète du Japon, mais je la qualifierais presque plus d'alter-histoire.
C'est-à-dire que un des éléments, c'est donc ça se passe de 1870 à 1877, donc très calé dans le temps au moment du début de l'ère Meiji, donc la modernisation du Japon, la fin des shoguns et la restauration de l'empire. Et l'histoire, c'est de dire que face à l'empereur Meiji lui-même, il a une sœur cadette qui est une sorte de joker gardé par la famille impériale pour dire si la modernité échoue, si finalement le Japon ne réussit pas sa transition, et notamment à cause des dieux, puisqu'ils ont peur, en fait, c'est un monde qui est encore magique, qui est encore dans l'univers des kami, mais les kami qu'on trouve encore aujourd'hui, notamment dans le shintoïsme, et en disant si les divinités japonaises ne veulent pas de cette modernité, l'empereur, lui, sera compromis, et il faut qu'on ait une personne qui puisse reprendre l'empire, et donc c'est cette sœur cadette qui est un peu l'alternative. Et donc, je revois ces sept années qui amènent à la grande rébellion de Satsuma, qui a failli faire éclater le Japon en 1877, mais à travers le prisme de cette héroïne, et de ce personnage, de ce personnage, et du fait que finalement, c'est les divinités qui vont influer sur le cours de l'histoire et pas simplement les raisonnements matérialistes. Alors ça, c'est très intéressant aussi parce que ça nous donne aussi une façon de parler du rapport qu'on a à l'histoire. Est-ce qu'on sacralise l'histoire? Est-ce qu'on peut la réinventer? D'ailleurs, tout à l'heure, je vous proposerai de parler aussi du rapport entre l'Uchronie et finalement ce qu'on pourrait presque appeler la parachronie ou l'histoire secrète, c'est-à-dire ce qu'on révèle de ce qu'on ne sait pas de l'histoire. Vous savez que nous, les auteurs d'Uchronie et de fiction, on adore quand justement l'histoire a des interstices un peu étranges parce qu'on peut s'y glisser et raconter des choses. Donc, on parlera de ça aussi. Et puis, ça me fait penser qu'il faudra qu'on parle aussi de la culture du lecteur, finalement. Est-ce qu'il y a des uchronies réservées à certains types de lecteurs ou de lectrices? Est-ce qu'il faut être averti de l'histoire du Japon, par exemple, hein, pour reprendre toute la mesure de ton travail, Yann? Ou est-ce qu'au contraire, il faut se dire qu'on écrit des uchronies très, très ouvertes, très grand public? J'essaie de m'adresser à tous les lecteurs, c'est-à-dire de donner les clés. Mais bien sûr, quelqu'un qui connaîtra bien l'histoire se régalera plus parce qu'il verra tous les clins d'œil, toutes les petites subtilités. Mais je n'ai pas envie d'écrire des livres qui seraient réservés à des happy few qui seraient des spécialistes du Japon ou de tel ou tel pays ou région. D'accord, très très bien, on va y revenir. Et puis, notre dernier participant, mais pas le moindre, c'est Franck Dozion, qui est historien de formation. Bonjour. Mais bonjour Franck, ravi de te rencontrer, même si c'est déjà fait depuis hier. Oui, depuis cette mémorable table ronde sur l'anthologie Terre 2.0. Et si j'ai bien compris, c'est ton intronisation dans l'univers de la science-fiction, c'est bien ça? Tout à fait, ça y est, je suis un peu adoubé, on dirait. On verra. Je ne suis pas du tout science-fiction, hein, mais et je suis. Finalement, je pense que je ne fais pas de l'Uchronie, mais selon l'endroit où on positionne le curseur, peut-être que j'en fais. On verra. On va voir ça. Ouais. Peut-être et que donc, j'en fais, on en fait tous. Finalement. Okay. Ouais, très très bien. Et puis, donc, tu es quelqu'un, et ça, moi, j'apprécie beaucoup parce que je regarde aussi et j'ai lu dans ta présentation, tu reprends tes textes, tu les gardes et parfois attendent des années. Alors, moi, je suis un peu comme ça aussi. Hein. Moi, je suis un écrivain poussif qui souvent laisse les choses traîner pendant des années, puis d'un coup, ça se réveille. Exactement. Donc, on en parlera aussi avec plaisir. Alors, nous voilà donc réunis, non pas au chevet, parce qu'au chevet, ce ne serait pas positif, mais à la table de l'Uchronie et de l'histoire. Donc, deux figures féminines, puisque c'est deux mots féminins que nous allons essayer de non pas de réconcilier, mais en tout cas de faire discuter et dialoguer avec nous. Alors, peut-être que pour commencer, on devrait définir l'Uchronie et essayer de définir aussi son rapport à l'histoire. C'est-à-dire, est-ce que vraiment l'Uchronie a un lien avec l'histoire ou est-ce qu'elle se contente, vous voyez, de récupérer un événement, par exemple, et de s'en servir comme point de déclencheur? Alors, est-ce que l'un de vous veut tenter, par exemple, hein, en toute liberté, évidemment, à Nice Fiction, de donner
sa définition de l'Uchronie. Est-ce que l'un de vous a une définition à proposer ou même simplement une piste de définition sur le mot, tout simplement Uchronie? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Il y a la partie un peu classique, on peut la présenter, parce que l'Uchronie, il y a une définition classique qui est assez simple à comprendre. Après, je pense qu'on peut en faire beaucoup de choses et que comme tout, comme d'ailleurs la science-fiction en elle-même, c'est quand même assez large. Moi, j'emploie souvent le mot de bifurcation, c'est-à-dire c'est un jeu, hein, l'Uchronie. Vous prenez les éléments de l'histoire, ou du moins ceux que vous connaissez, vous partez du principe qu'il y a des moments qui sont des points clés ou des éléments qui sont des points clés. Par exemple, une bataille perdue, voilà, un grand classique, ou un assassinat à la Curie quelques années avant l'avènement d'Auguste. Enfin, on en connaît tous, hein, des comme ça. Ouais, bien sûr. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe si ça n'était pas arrivé comme ça? Qu'est-ce qui serait passé, voilà, et comment ça aurait évolué? Donc, c'est une espèce de jeu mental. Je crois que la toute première uchronie, d'ailleurs, est une uchronie française. Elle imagine justement que Napoléon n'a pas eu le destin funeste qu'il a eu. Et puis voilà. Oui. Voilà. Donc pour moi, au départ, c'est un jeu comme ça d'un futur qui n'est jamais arrivé. Je crois qu'après, on peut en faire plein de choses, honnêtement. Mais c'est peut-être le moyen le plus facile de comprendre l'uchronie, en fait, pour quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est. Et c'est très facilement... voilà. Moi, j'aime bien citer l'idée aussi qu'une uchronie, ça ne mène pas forcément à quelque chose de visible. Alors, je cite une uchronie réelle, c'est un peu bizarre. C'est la découverte de l'Amérique du point de vue des Européens. On pense tous que Christophe Colomb était le premier et qu'on a découvert que c'était probablement un viking qui était quelques siècles avant arrivé sur les côtes du Canada, enfin de actuel, voilà. Mais il ne s'est pas passé grand-chose après, mais c'est une sorte d'uchronie, en fait. Oui, tout à fait, parce qu'on a révisé le regard qu'on avait sur Christophe Colomb, et tout à fait. Exactement. Oui, c'est vrai que d'ailleurs, comme l'histoire évolue et que les théories historiques aussi changent en fonction des découvertes scientifiques, en fonction de l'archéologie même parfois, ou simplement des archives que l'on retrouve, effectivement, l'histoire elle-même est sa propre uchronie parfois. C'est-à-dire que ce qu'on a dit et ce qu'on a enseigné comme étant l'histoire se révèle ne pas l'être tout à fait. Donc ça, j'aime bien cette idée, le jeu intellectuel, l'expérience de pensée sur les événements. Et puis, tu évoquais donc Louis Geoffroy qui écrit le Napoléon apocryphe au 19e siècle. Et qui est une des premières uchronies. Alors, les Français ne sont pas en reste sur l'uchronie, on y reviendra tout à l'heure. On pourrait presque dire que c'est pas une spécificité française, parce qu'il y a beaucoup d'anglo-saxons aussi, mais il y a quand même pas mal de Français. Est-ce que l'un de vous, Patrice ou Franck ou Yann, aurait une autre définition ou un regard un peu différent Moi, est-ce que Franck, ouais. Là, Benjamin, il a parlé de la grande histoire. On a tendance à parler de la grande histoire. Et justement, moi, je fais pas de l'uchronie consciemment, mais je m'interroge, est-ce que l'uchronie concerne aussi la petite histoire, l'histoire de chacun d'entre nous, l'histoire de la personne qu'on croise dans la rue, parce que à ce moment-là, moi, je veux bien faire de l'uchronie, et finalement, je m'interroge même sur le fait d'écrire, est-ce que c'est pas tout simplement faire de l'uchronie, parce qu'on part d'un élément, on part d'une rencontre, on part d'un mot, on part d'une odeur, et à partir de là, on laisse aller la machine. Absolument. Donc, mais ce n'est pas ce qui est arrivé, c'est nous qui l'inventons ou pas, on se laisse aller. Donc, uchronie, grande histoire, Napoléon, César, tout ce qu'on veut, ou alors, et petite histoire. Voilà. Mm-hmm. Est-ce que, selon vous, l'uchronie aussi concerne la petite histoire, notre histoire? Alors, oui, hein, de façon générale, je ne sais pas ce qu'en pensent Patrice et Yann, mais en tout cas, si vous lisez, par exemple, L'Histoire revisitée, qui est un ouvrage de référence sur l'uchronie, qui a été écrit par Éric Henriet, qui a été publié à plusieurs reprises. Il y a aussi les travaux d'André-François Ruault. Il y a aussi le guide de l'uchronie de Bertrand Campéis et Karine Gobled. On voit que l'uchronie personnelle a sa place. Très clairement, dans le champ uchronique, on peut tout à fait faire entrer des textes beaucoup plus intimistes, beaucoup plus psychologiques finalement, qui se centrent sur, par exemple, la façon dont un certain personnage va réécrire sa vie au fil de l'eau et va peut-être, par exemple, confondre la vie telle qu'il imagine et la vie telle qu'il a véritablement vécu. Donc, pour moi, l'uchronie personnelle est l'une des catégories qui peuvent entrer dans le... Ce qui du coup, Franck, nous donne une vision de l'uchronie extrêmement large, finalement. Ouais.
tu nous dirais presque que l'Uchronie, c'est de la fiction et que toute fiction est une forme d'Uchronie, finalement. Donc, c'est très, très large, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ouais. L'Uchronie avec des incursions aussi, ce qu'on peut appeler des incursions, de l'incursion de la SF, l'incursion du fantastique, l'incursion de la fantasy. Alors, il y a des exemples célèbres, par exemple, c'est Jean-Laurent Del Socorro chez Actu SF qui travaille beaucoup sur des incursions du fantastique dans le monde historique, enfin dans l'histoire réelle, dans la grande histoire, comme disait Franck. Ouais. Quelqu'un aussi comme Pével, Benjamin en parlait tout à l'heure, qui par exemple dans ses Lames du Cardinal met des dragons et des hommes lézards dans la France du siècle, du grand siècle, c'est-à-dire à l'époque de Richelieu, Richelieu, cardinal tout à fait, de Richelieu et des mousquetaires. Alors ça, avec moi, ça j'ai beaucoup de mal. Tu parlais tout à l'heure de sacralisation de l'histoire. Mm-hmm. Là, j'ai des limites là-dessus. Mon cerveau peine à accepter ce genre de choses. D'accord. Et puis on peut aller jusqu'à Jaworski, par exemple, l'exemple de Jaworski, qui lui, officiellement, il fait de la fantasy, c'est-à-dire que, par exemple, dans Gagner la guerre, c'est vraiment un univers de fantasy, c'est Siudalia qui affronte Racine, sauf qu'à bien y regarder, effectivement, entre Siudalia et la Venise de la fin du Moyen-Âge, et entre Racine et l'Empire ottoman, en fait, la limite est très très ténue. Donc, est-ce que c'est pas de l'Uchronie, ça aussi ? Ça, on peut se poser la question. La fantasy historique, souvent ils disent, mais je suis d'accord, il y a Fabien Cerruti qui fait aussi le bâtard de Cossigan, comme tout ça. Tout à fait. C'est quand même méchamment historique. Hein, quand on connaît un peu l'époque, on se dit qu'il a bien bossé quand même. Ouais, bien sûr. Et Pével aussi, d'ailleurs, hein, les rues de Paris sont toutes identiques, machin, ça. Mais c'est vrai que pour moi, on exploite la fabrique de l'histoire et on y introduit un élément profondément fantastique qui, de fait diverger l'histoire. C'est une très bonne question. Moi, je le classerais, je l'ai jamais classé dans l'Uchronie et là, je doute tout d'un coup. Mais c'est vrai que ce rapport avec la fantasy, il est hyper intéressant parce qu'il est de plus en plus fréquent. Déjà en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de romans de fantaisie historique qui tutoient l'Uchronie ou qui sont des Uchronies aussi, puisqu'à cause d'un élément fantastique ou d'un élément magique, hein, l'histoire a pris un chemin différent. Donc c'est quand même clairement de la divergence, mais une divergence qui est expliquée non pas simplement par l'évolution de la société ou les actes des grands personnages historiques, mais par l'irruption ou l'injection d'un phénomène ou d'un élément fantastique, des dragons, de la magie ou autre. Et ça, c'est vrai que c'est très fréquent aujourd'hui. Et quant à Gagner la guerre, hein, et l'univers de Jaworski, que moi, je suis complètement admiratif, hein, de Gagner la guerre et des autres textes qu'il a écrits, c'est vrai que ici, on est dans la fantaisie, puisqu'on n'est pas dans des royaumes qui ont existé et qui ne sont pas clairement identifiés comme des royaumes qui ont existé. Et pourtant, on reconnaît quand même, et de façon tout à fait claire, de façon très claire, on reconnaît ce dont parle en réalité Jean-Philippe, et du coup, on pourrait se dire quand même aussi qu'il y a une forme derrière d'Uchronie, peut-être plus subtile, ou en tout cas peut-être plus affleurante sous la surface du récit, plutôt que de l'Uchronie assumée ou complètement assumée. Du coup, ça m'amène à Yann, évidemment, qui n'échappera pas à cette question. Alors, dans ton rapport avec toute l'histoire, toute ta maîtrise de l'histoire des civilisations, comment tu vois ça, l'Uchronie ? Alors, justement, un peu pour rebondir sur ce que disait Patrice, je suis assez attaché à la rigueur historique. C'est-à-dire que je vais pas, finalement, j'ai pas trop envie de faire une dérive imaginaire. À l'inverse, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est d'introduire l'imaginaire, mais jusqu'à un point. Par exemple, mon avant-dernier roman qui est sur un peintre flamand qui s'appelle Hugo van der Goes, qui est pour moi un des contemporains de Van der Weyden et un des plus grands primitifs flamands, même s'il est malheureusement peu connu. Mais on a quelques éléments de chronique qui disent qu'il a eu une période, il est devenu fou. Et j'essaye d'expliquer sa folie par le fait qu'il rencontre, qu'il serait lui-même la réincarnation de Dante et qu'il rencontre la réincarnation de Béatrice, et avec bien sûr des problèmes. Et en rajoutant dans l'époque des éléments, c'est-à-dire qu'on trouve des dragons, on trouve des licornes, on trouve Dracula, mais parce que ces éléments-là faisaient partie de l'univers du XVe siècle.
Et oui, donc, bien sûr. De réintroduire la magie ou la fantaisie, mais pas de l'extérieur à la Game of Thrones, mais en disant, bah voilà, ils étaient là, Dracula, il était en lutte contre les Turcs avec le roi de Hongrie et allié à Maximilien d'Autriche. Et donc, reprendre le côté magique des personnages pour montrer que l'histoire telle qu'elle est vue de manière parfois un petit peu sobre ou voire sévère contenait toute cette magie et que les gens de l'époque vivaient aussi différemment le monde par rapport à la vision que nous, on a réécrit, ou que les historiens matérialistes ont réécrit. Oui, tout à fait. C'est-à-dire retrouver finalement l'esprit du siècle, les lieux communs de l'époque et s'y replonger pour les revivifier. Et ça, c'est très, très, ça, c'est très chouette aussi. Ça. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est pas fréquent. On n'entend pas souvent cet argument-là sur l'Uchronie, qui essaye de se replonger dans la culture ambiante de l'époque. Alors, on retrouve ça dans le steampunk, hein, quand même, hein, puisque dans le steampunk, vous êtes complètement dans ça, hein, Benjamin. Vous retrouvez vous remobilisez les fantasmes presque de l'époque, hein, finalement. Ben, on est dans un, oui, dans une récupération du courant scientiste ou de prospectivisme à la Jules Verne, sauf qu'on en fait une réalité plus ou moins aboutie. Il y a des choses, il y a toutes sortes de choses dans le steampunk, c'est comme la fantasy, il y a un éventail absolument énorme, mais il y a ce point commun qu'on aurait aimé voir ces machines émerger, qu'on aurait aimé voir ces choses étranges, etc. Il y a une forme de fantasme, le Nautilus, mais puissance 10, quoi. C'est ça, ouais, voilà. Tout à fait. Donc il y a ça, il y a ce mélange, et en même temps, alors dans le steampunk, je suis pas certain qu'il y ait une vraie volonté de respecter l'histoire. Dans la plupart des livres steampunk, on s'en fout un peu, hein, voilà. Ce qui n'est pas mon cas. Quand j'écris du steampunk, je prends un plaisir absolument dingue à essayer de respecter ce qui s'est passé, mais à en changer des éléments. En fait, à faire des éléments historiques qui sont crédibles, qui ressemblent, qui s'inscrivent, qui sont cohérents, même s'ils sont complètement faux, il y a quand même un respect. Enfin, voilà, bon, ça m'est très particulier. Une cohérence. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est en ça aussi que l'Uchronie est liée à la science-fiction, hein, en tant que telle. C'est parce qu'il y a toujours cette recherche de cohérence interne à l'univers du récit. Hein. On essaye de faire des choses qui, malgré tout, se tiennent, même si elles sont surprenantes pour le lecteur. Ça permet justement au lecteur d'accepter, finalement, d'entrer dans ce monde parallèle dont il sait très bien, hein, qu'il n'existe pas, puisque le « Uchronos », hein, littéralement, si je reprends le néologisme utopie uchronie, c'est vraiment le temps qui n'existe pas. Tout à l'heure, tu citais Geoffroy. Pour moi, l'Uchronie, c'est surtout Charles Renouvier, hein, au XIXe siècle, un philosophe républicain qui écrit en 1857 et qu'il ne publie qu'en 1876 l'Uchronie. Ou utopie dans l'histoire, il écrit, hein, l'Uchronie ou utopie dans l'histoire, l'histoire telle qu'elle n'a pas été, telle qu'elle aurait dû ou telle qu'elle aurait pu être. Et donc, il y a quand même ce... D'ailleurs, que le 19e siècle, je ne vais pas dire que c'est l'invention de l'histoire moderne, mais pas loin. Bah, bien sûr, même. Si. Et donc, c'est normal qu'ils se posent ces questions-là. Bien sûr. Ils ont inventé le récit historique. Hein. Bien sûr. Voilà, tout à fait. C'est normal qu'on voit ce genre d'interrogation émerger. En fait. Mais d'ailleurs, si vous êtes d'accord avec moi, vous êtes tous passionnés d'histoire ou historiens de formation. Moi, je ne suis qu'historien du droit, pas historien au sens strict. Mais en fait, on pourrait dire que l'Uchronie et l'histoire sont nés en même temps. Pratiquement. C'est-à-dire que la discipline historique, chez les Allemands, c'est dit Deutsche Geschichte, et en France, on a Ernest Lavisse et tous ces auteurs-là. C'est la même époque, hein, c'est la deuxième partie du 19e siècle. Donc, ils commencent à écrire l'histoire et en même temps, on voit naître l'Uchronie presque main dans la main, quoi, finalement. Donc, c'est assez. C'est des cousins, des cousines. c'est assez amusant. Alors, il y a aussi. Alors, il y a plein de choses maintenant qu'on pourrait développer allez-y, hein, si vous avez des envies comme ça tout de suite de prolonger ce qu'on vient de dire. Mais il y a cette fameuse question qui est chère à un ami à moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Jacques Régnier et qui est un auteur aussi et qui s'est beaucoup intéressé à l'Uchronie. C'est la question de la divergence. Est-ce qu'il faut impérativement que l'Uchronie pose un point de divergence? C'est la vieille question à 100 euros ou à 1000 euros de tous les passionnés d'Uchronie. Est-ce que l'histoire dans le monde uchronique doit nécessairement être divergente, d'après vous?
Nécessairement, non. Elle l'est très souvent parce que finalement, on prend Poul Anderson, par exemple, c'est un grand classique. Je crois qu'il a tout fait diverger, il s'est amusé à mettre des points Ouais, partout. bien sûr. Moi, j'avoue, j'aime bien faire ça aussi. Mais j'ai lu d'extraordinaires uchronies non expliquées, non divergentes, presque pareilles. Parfois, c'est juste un détournement de l'histoire qui n'a pas besoin d'être expliqué. Non, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Je crois qu'en fait, dans la définition classique, c'est l'exercice auquel on se prête. Mais après, honnêtement, tant que c'est bien fait, je pense qu'on peut faire à peu près ce que l'on veut. Absolument, bien sûr, Justement, liberté de l'imaginaire. juste. Vas-y, Franck. Justement, parce que je vais aussi, esprit d'escalier, je vais aussi rebondir sur ce que tu avais dit auparavant, parce que moi, je me suis interrogé sur le fait, les qualités pour écrire une uchronie. Faut-il être finalement un savant pour écrire une bonne uchronie, ou alors, au contraire, faut-il être lignard tel l'enfant sauvage de François Truffaut sorti de sa forêt? Et à partir de là, on lui dit, bon, voilà, tu prends, voilà, Monsieur Robespierre, écris ce qui peut lui arriver, et peut-être qu'on aurait une véritable uchronie. Et ce qui serait marrant, et ce qui serait intéressant, c'est de voir si la personne totalement ignare de ce qu'est Robespierre, peut-être qu'il écrirait, ça se rapprocherait vraiment de l'histoire. On Tout pourrait à être fait. très surpris. Donc, faut-il être un savant ou ignorant pour écrire une uchronie? Vous êtes des savants, non? Est-ce que vous n'êtes pas un peu, parfois, conditionné? Coincé, coincé ou Ouais, conditionné, ouais, ouais. ouais. Il Dans y a notre des histoire qui est soucis, lourde à hein. porter. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez alors, Patrice et Yann, par exemple? Moi, je suis un. Moi, je ne peux pas dire que je suis un savant puisque je n'ai pas fait d'études d'histoire. Je suis juste un passionné plus, plus, plus. Et je me documente jusqu'à la psychopathologie, j'ai coutume de le dire, lorsque j'aborde un sujet. Donc, ça va dans les moindres, moindres détails, etc. Donc, effectivement, moi, je suis très attaché à la crédibilité. C'est une de mes marques de fabrique. Pour moi, une bonne documentation s'impose parce que c'est le matériau de base et s'il est branlant, tout l'édifice sera bancal. Mais ça ne veut pas dire qu'il va pas y avoir de divergence. Par exemple, moi, bon, j'ai fait beaucoup plus de romans historiques d'Uchronie. Uchronie, je me suis limité vraiment aux nouvelles. Par contre, je suis déjà rendu à 4 romans historiques. Et est-ce que le roman historique n'est pas déjà une uchronie, déjà à la base, dans la mesure où si on n'introduit pas au moins un héros qui n'est pas le qui est un héros qui n'existe pas et qu'on rajoute dans un interstice de l'histoire, ou même si on utilise quelqu'un qui est connu, est-ce qu'on n'est pas obligé de lui faire faire autre chose que ce que l'histoire a déjà documenté pour que ce soit un roman, parce que sinon ça va être considéré comme un documentaire. Et donc en tant que tel, est-ce que le roman historique en lui-même n'est pas déjà une uchronie? La question est ouverte. Tout à fait. Mais la frontière entre les deux, elle est très ténue, hein, parce qu'en réalité, c'est une question d'interprétation, finalement, lorsqu'on donne un certain regard sur l'histoire dans un roman historique, hein, ou sur, par exemple, les raisons d'agir de tel ou tel personnage, on est très, très proche de l'uchronie. En tout cas, ceux qui écrivent des uchronies en général sont aussi des passionnés de romans historiques, hein, c'est très fréquent, et souvent font les deux, hein, d'ailleurs, indifféremment, tantôt l'un ou tantôt l'autre, hein. Donc, toi, tu préfères la forme courte, hein, pour l'uchronie, c'est ça? Oui, j'ai pas réussi à aller au-delà pour le moment. J'avais un projet, mais qui est pas dans mes prochaines tablettes. Donc, faut croire que voilà, c'est pas ma priorité. Des fois, ça s'explique pas. Mais par contre, j'en lis beaucoup. Ça m'intéresse énormément en tant presque qu'exercice de style, quoi. Parce que tu vois, on parlait de crédibilité tout à l'heure. Bon, bah, je suis un obsédé de la crédibilité. Je sais qu'Yann Quirot est comme moi. Il a dirigé, il a, comment dire, supervisé une anthologie que j'ai dirigée chez Arcuris il y a 2 ans sur l'immigration. Et presque toutes nos discussions, avant de décider qui allait être pris ou pas, tournaient presque toujours autour de la crédibilité. Donc, mais ça, c'est un truc qu'on partage. Mais pour moi, l'uchronie est vraiment intéressante en tant qu'exercice d'extrapolation sur l'histoire. Et plus la variation est crédible, plus le résultat me passionne. Par exemple, le fait que la France poursuive la guerre en juin 1945, au lieu de demander l'armistice à Hitler, on sait qu'il s'en est fallu très peu pour que ça se fasse.
Paul Reynaud et Georges Mandel avaient envisagé un repli en Bretagne, par exemple, derrière une ligne anti-char infranchissable avec le soutien britannique. Ils ont même envoyé De Gaulle pour étudier la question. Donc, non seulement un auteur comme Pecot, Jean-Pierre Pecot, par exemple, a exploré cette uchronie en BD, mais cette hypothèse a pu paraître tellement plausible qu'un type comme Jacques Sapir, qui n'est pas un romancier mais un économiste, a imaginé une uchronie en deux volumes sur le sujet qui tient plus de l'essai documentaire que du roman. Et d'ailleurs, les deux œuvres s'appellent toutes les deux « Et si la France avait continué la guerre ?» Ça, moi, ça me passionne, quoi, clairement. Quand le gars a poussé le truc jusqu'à dire qu'il s'en est fallu vraiment d'un micro-millimètre pour que ça se fasse ou que ça se fasse pas, là, je suis fan. Absolument. Oui, oui. Il y a un côté vertigineux de certaines uchronies, finalement, quand on se dit que ça, on pourrait se dire que ça vraiment aurait pu arriver à quelques. Parfois, les choses. L'expérience de destin, quoi. C'est fou, quoi. Absolument. On a fini par gagner quand même, en quelque sorte, mais ça aurait pas été pareil, quoi. Ouais, Yann, vas-y. Oui, c'est peut-être justement là où l'uchronie devient vraiment intéressante. C'est-à-dire, il y a une facilité à l'uchronie. On dit, bon voilà, Napoléon a gagné Waterloo et puis on continue. Après, on peut inventer ce qu'on veut. Personnellement, j'ai toujours tendance à préférer la contrainte. En disant, et la contrainte est l'exactitude. En disant, pour éviter une certaine facilité, là. Bon, pas pour critiquer, la facilité peut amener à des choses extraordinaires, mais justement, la richesse, par exemple, l'exemple que donnait Patrice sur des hypothèses qui ont vraiment existé, et donc là, on extrapole sur du possible et du vraisemblable historique. Et ça me fait penser aussi au voyage dans le temps, puisque finalement, y a ce parallèle, et y compris avec les paradoxes temporels, qui sont typiquement des uchronies aussi ou des confrontations de divergences. Et par exemple, j'ai écrit un roman, Un voyage dans le temps, qui est l'histoire de chercheurs qui vont chercher Mozart dans le passé pour le ramener dans le présent et lui faire écrire un opéra d'après la tempête de Shakespeare. Super. Titre, c'est ça s'appelle La Tempête de Mozart. La Tempête de Mozart. Aux éditions Bleu Nuit. L'anecdote est authentique, c'est-à-dire que Mozart avait effectivement envisagé d'écrire un opéra d'après La Tempête de Shakespeare. Et donc, la mère du héros veut faire un cadeau en fait à sa mère qui est mourante et paye, et comme il est milliardaire, il paye la fabrication de cette machine à voyager dans le temps. Mais un peu pareil, la machine à voyager dans le temps, c'est un peu facile. On peut se dire, on rate un coup, hop, on revient 5 minutes en arrière, etc. Donc, comment casser cette facilité? Donc, moi, je casse, dans ces cas-là, je casse la machine pour justement bloquer, mais mettre aussi les personnages en situation de risquer de se remettre en question, c'est-à-dire, et de peut-être ne plus exister en créant un paradoxe temporel, parce que si on retire Mozart du passé et qu'on n'est pas capable de le ramener, eh bien, toute l'histoire change. Donc là, on risque, les personnages se mettent en position de créer une uchronie dans laquelle eux-mêmes n'existeraient pas, ce qui ferait une boucle de contradiction. Jolie boucle, ouais. Du coup, on est vraiment proche aussi du voyage temporel, hein. Tout à l'heure, on citait Poul Anderson, La Patrouille du Temps. Lui, c'est un générateur d'uchronies, en fait, hein, sa Patrouille du Temps, c'est un moteur à générer des uchronies. Ouais. Alors, c'est vrai que, vous voyez, on a quand même les deux aspects, hein. Le côté ludique, le côté, le point de divergence accessible ou un peu plus érudit. D'ailleurs, peut citer, en écoutant Patrice, là, je pense à la série For All Mankind, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, c'est qui est sur. Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Ouais, Patrice, il faut que tu regardes ça. Tu vas perdre un certain nombre de soirées, je pense. Mais c'est un truc tout bête, c'est les Américains perdent la conquête spatiale dans les années 60. Arrive deuxième, il arrive de peu, on est là, c'est vrai. Voilà. Mais moi, ce qui m'a fasciné, mais vraiment, c'est qu'en fait, comme maintenant l'histoire est enregistrée, là vous avez des images, c'est plus simplement des documents, de l'archéologie, etc. Ils réutilisent des documents historiques, il y a des discours de Reagan notamment, dans la série. Ce qui fait qu'en fait, j'ai été un peu troublé parce qu'en fait, la frontière est absolument incroyable. Donc, on voit des documents historiques visuels, des personnes qui ont existé. Moi, je me souviens de ces discours quand j'étais gamin.
Et hop, c'est dans une série, mais qui en fait raconte une histoire qui n'a jamais existé. Et là, subitement, dans mon canapé, je me suis mis à flotter en me disant qu'est-ce qui se passe. C'était génial à voir. Hein. Franchement, c'est. Je vais la regarder. Je te remercie parce que j'en avais déjà entendu parler, mais je n'avais pas encore. Donc là, c'est tu m'as donné très envie de la voir. Ouais. Et puis les Uchronies. Ça rejoint ce que disait Franck. C'est-à-dire qu'en fait, au For All Mankind, il ne raconte pas la grande histoire quelque part. Elle la raconte un peu, bien sûr. Mais c'est l'histoire de gens qui auraient pu exister. Il y en a un d'ailleurs, un des cosmonautes soviétiques, et il raconte la petite histoire et on voit comment les destins des gens a changé à cause de cette Uchronie. Enfin, moi, je trouve ce truc incroyable. Ce pool de scénaristes est complètement dingue. C'est un exemple. For All Mankind, ouais, tout à fait. Okay. Et d'ailleurs, par rapport à une autre série, enfin, livre et série qui en est inspirée, qui est vraiment extraordinaire, c'est The Man in the High Castle de incroyable. Philippe K. Dick. Voilà, pour ceux qui écoutent, donc c'est les Américains qui perdent la Deuxième Guerre mondiale et absolument. Les États-Unis sont envahis sur la côte ouest par les Japonais et sur la côte est par les Américains, par les Allemands, les nazis. Il y a une zone neutre entre les deux et ça se passe dans les années 60. Voilà, la série est extraordinaire. Avec c'est une série d'une très très grande qualité, mais qui quand même, il faut le dire, au bout d'un moment s'éloigne du roman par rapport mais après elle prend son autonomie. C'est là aussi où la série est une création à part entière, hein, même lorsqu'elle s'inspire d'une œuvre uchronique. Est-ce que vous pensez que l'Uchronie a une dimension politique aussi, je lâche le mot, est-ce que l'Uchronie peut être aussi un moyen de promouvoir ou de déconstruire une certaine vision de la société, une certaine vision de l'histoire, à des fins, je ne dirais pas forcément idéologiques, hein, je ne veux pas aller jusque-là, mais est-ce qu'il y a une dimension de choix de société lorsqu'on écrit des uchronies, ou pas, à l'échelle globale ? Absolument, je pense quand on regarde 1984 par exemple, on peut considérer que c'est une sorte, alors c'est plutôt une projection, c'est plutôt de l'anticipation, mais quelque part c'est aussi la vision, enfin en tout cas pour nous qui lisons, c'est le prolongement d'une société dictatoriale. Donc il y a aussi un message de dire voilà à quoi on a échappé. Et donc le maître du haut château de Cadix, c'est aussi c'est de dire effectivement, si on laisse des dictatures, si on laisse des régimes autoritaires s'imposer, à quoi ça va nous mener, et en le rendant d'autant plus parlant pour un lecteur qui a la référence du courant de l'histoire qu'il connaisse. Et dans le même genre, moi, le livre qui m'a totalement marqué pour vraiment répondre à ta question, Hugo, c'est Fatherland de Robert Harris. Ça m'a scotché au plafond, ce truc. Parce que là, finalement, il se sert d'un prétexte qui est le roman policier, on va dire. Mais en fait, on explore une société qui serait une société nazie. Moi, ça m'a complètement scotché. En fait, l'Uchronie ne peut pas s'empêcher d'être politique, même si ce n'est pas l'intention de l'auteur, parce qu'elle déconstruit une sorte de géopolitique, parce qu'elle explore une société. Alors, par exemple, moi, je fais des livres très ludiques. Le Grand Jeu, c'est un roman d'espionnage à la Indiana Jones. Mais je parle de la décadence de l'Empire ottoman et j'en suis obligé, quoi. En fait, c'est juste la fabrique. Et quelque part, je suis obligé de me positionner, c'est-à-dire quel est le rôle de l'Allemagne, la France et l'Angleterre dans cette décadence. On est obligé d'en parler. Absolument. Donc c'est conjoint avec l'Uchronie, même si ce n'est pas l'intention de l'auteur. Alors après, il y a des Uchronies idéologiques, justement, et quelques romans soviétiques très connus. L'histoire est politique. Ouais, bien sûr. Franck, tu voulais intervenir. Ouais, pour rebondir justement sur l'Uchronie, acte politique, je suis en train de me dire que est-ce que justement l'Uchronie ne serait pas comme un acte de rébellion quelque part aussi, comme une attitude qui permet à celui qui la relate de gagner en liberté, dans le sens où il se délesterait du poids de l'histoire, il créerait ainsi un monde tel que lui, il aurait envie, il aurait aimé le vivre, et donc il ne serait plus esclave du temps passé et imposé par la société. Et j'en viens esprit aussi, là, à l'instant, je me dis, est-ce que du coup... Alors, est-ce que les textes religieux ne seraient pas les premières uchronies pour gagner en liberté?
Oui, peut-être aussi, effectivement, parce Voilà, que c'est chaque, ce sont des interprétations hein, aussi hein, de chaque là. du rapport au mystique, du rapport au religieux. Mais pour revenir sur ce que tu dis, j'aime beaucoup ça parce que je prends la parole 2 minutes en sortant un peu de mon rôle de modérateur, mais on a souvent critiqué l'Uchronie comme étant, vous savez, le repère des nostalgiques d'un autre temps, Ah bon, mon Dieu, etc. c'était mieux avant? Voilà, c'était mieux avant, ou alors tout simplement, ah, ben, le monde qu'on a eu, c'est pas celui qu'on aurait voulu, etc. En fait, pour moi, l'Uchronie, c'est une forme de liberté, c'est-à-dire qu'elle nous dit, en fait, et même lorsqu'elle est très, lorsqu'elle prend un point de divergence très ouvert, hein, très classique, sur la Seconde Guerre mondiale, sur Napoléon, sur César, hein, comme on citait tout à l'heure, elle nous dit, au fond, l'histoire est une forme de discours, c'est-à-dire bien s'il y a des faits, à partir du moment où un historien reconnaît un fait comme étant un fait historique, déjà, il y a un côté subjectif de ce qu'il va expliquer comme étant l'histoire. Et le fait d'avoir le jeu sur l'Uchronie, ça nous permet de prendre du recul, donc d'être un peu plus libre en se disant, même si on ne remet pas en cause les faits, puisqu'on sait très bien que l'Uchronie est une fiction, d'ailleurs, son nom l'indique, hein, et si les choses s'étaient passées comme ça, pour formuler ça, c'est bien qu'il faut d'abord accepter l'histoire réelle pour ce qu'elle est. Mais en même temps, ça nous libère de certains nombres d'interprétations. Je dirais qu'elle est plus proche en fait de l'historiographie, moi, l'Uchronie. Elle est un jeu sur l'historiographie, sur la façon dont on nous a raconté l'histoire lorsqu'on était petit ou la façon. Alors moi, par exemple, ce qui m'inspire le plus, vous l'avez pas cité encore vous, c'est les émissions radio, moi, les émissions de radio sur l'histoire. La fabrique de l'histoire, toutes ces émissions qui parlent des événements historiques. Et chaque fois que j'en écoute une sur un thème, pof, je me dis, ah bah tiens, là, il y a une idée d'Uchronie Oui, à creuser. Carbone Et 14 ça, qui est excellente aussi. Carbone Carbone 14, 14, voilà. Ouais. Classiquement, les cours du Collège de France, moi j'ai Elle écouté est des tout à cours, fait. Ouais. les types sont passionnants, ils vous parlent de détails absolument incongrus et vous dites et si et toc, Et il faudrait si, et faire voilà, ça. c'est ça. Ouais. C'est une boîte à idées, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un laboratoire en fait, hein, l'Uchronie, c'est une boîte à idées, on peut jouer avec l'histoire. Et du coup, ça m'amène à une question, vous faites des salons, alors pas cette année, vous n'avez pas fait de salon, C'est qui? mais c'est un peu cuit, mais vous faites parfois des rencontres avec des classes, peut-être, je ne sais pas si vous le faites, c'est toujours un moment, toujours émouvant, mais est-ce que vous pensez que l'Uchronie a une dimension aussi pédagogique? Est-ce qu'on peut faire aimer l'histoire en faisant lire des uchronies à des gamins, à des jeunes, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou simplement Alors, à des moi, j'ai lecteurs? jamais donné de. Alors, moi, j'ai une expérience personnelle. C'est, je ne donne pas de cours à des classes, etc. Du moins, pas encore. À des étudiants, mais pas à des classes. Mais en tant qu'adolescent, j'ai dévoré de l'Uchronie. Je trouvais ça fascinant. Et quelque part, effectivement, je suis désolé de le dire, mais c'est pas en lisant La Guerre des Gaules que j'ai compris qui était. César, Enfin, je l'ai lu ouais. bien plus tard. Ouais. Mais un équivalent de Poul Anderson, c'était très mauvais, bien sûr, c'était de la littérature de gare, mais j'ai compris un max de trucs, quoi. Vous n'étiez pas nécessairement les premiers de la classe en histoire, quoi. Moi, Ou j'étais si, bon, Yann, ouais, probablement. ça m'a sauvé, moi, mais c'est un autre problème. Ouais, mais justement, par rapport à ça, on l'a déjà évoqué, mais ça me fait penser à 2 aspects de l'histoire qui sont fondamentaux. C'est l'européanocentrisme. Eh oui. C'est-à-dire l'histoire vue les grandes découvertes, etc., qui donne une vision qui n'est forcément pas celle des Amérindiens ou des Chinois ou des Aborigènes d'Australie, et aussi l'histoire masculine, Eh oui. puisque notamment en France, on a quand même été très formaté par des historiens, notamment Michelet, Bien sûr. qui avait une vision très misogyne. Du parcours de l'histoire et qui avait tendance à dénigrer ou à passer sous silence le rôle des femmes. Donc, il y a aussi, d'une certaine manière, parfois un rôle qui peut être intéressant, justement, qui n'est pas forcément, qui est de l'haltérochronie, c'est-à-dire de montrer en basculant le regard, que ce qui a été vécu par les populations, notamment en situation minoritaire ou en situation d'être exploitées, eh bien, leur regard est intéressant et il bouscule autant qu'une uchronie dans laquelle on va modifier des paramètres historiques. En ce sens, tu valides le fait que c'est politique complètement, puisque ça nous montre les limites de notre vision de la société et de l'histoire. Et on peut prendre conscience, et je suis tout à fait d'accord avec toi, que on a eu une certaine histoire un peu européaniste, un peu masculiniste, un peu finalement, c'est de l'historiographie qu'on a pris comme argent comptant, c'est-à-dire
Voilà, l'histoire c'est comme ça, alors qu'en fait, bah, c'est, les faits sont attestés, il n'y a pas de problème. On ne parle pas de remettre en cause les faits, mais l'interprétation est quand même très, très orientée, quoi. Et même là, par exemple, justement, tu citais au début mon roman sur l'impératrice secrète du Japon. Il y a tout un jeu sur la place de la femme au Japon qui est en position très mineure aujourd'hui, et même d'ailleurs, le couple impérial actuel n'a qu'une fille, et il y a même un débat parce que d'un point de vue strictement légal, elle risque de ne pas avoir le droit d'accéder au trône, et ça serait un de ses cousins qui le ferait. Donc le problème se pose même encore de manière contemporaine. Et en fait, quand on se plonge dans l'histoire du Japon, on réalise qu'il y a eu des phases successives qui ont minoré le rôle des femmes, mais qui avaient des impératrices. À des époques reculées, et que l'influence à la fois du confucianisme chinois, très aussi misogyne, puis de l'Europe, a rabaissé la place des femmes dans le Japon. Donc on est on peut aussi repenser à travers la fiction des phénomènes historiques, et donc ce rôle politique, moi c'est ce qui m'intéresse d'ailleurs le plus. Ouais, bien sûr. C'est intéressant, Patrice, ce que tu dis. Ouais, Yann, parce que en fait, pour moi, c'est pas tant les historiens du 19e siècle qui sont misogynes que l'histoire elle-même. Ouais. En fait, l'histoire est misogyne. Et ça, justement, c'est une vraie gageure quand tu veux faire un roman historique que de parler, de vouloir faire mettre une héroïne, par esprit putassier pour essayer d'attirer l'électrice, mais juste parce que tu as envie que le point de vue féminin soit représenté dans ton... Même pour toi, écrivain, tu as envie que le point de vue féminin soit représenté dans ton livre. Et quand, comme moi, tu es obsédé par la crédibilité et que tu veux représenter un point de vue féminin dans une époque où les femmes étaient vraiment... rabaissé au plus bas niveau de la société et considéré à peine comme des êtres humains dans certains cas, hein, comme certaines périodes du Moyen-Âge, etc. C'est vraiment une gageure parfois. Et là, effectivement, tu peux te retrouver à la limite de la tricherie. Il faut vraiment ruser. J'ai confronté à ça dans mon roman. Mon prochain roman se passe justement au Moyen-Âge et avec un des personnages principaux qui est une héroïne, mais qui est authentique et qui est Anne de France, la fille de Louis XI, qui était la fille d'aînée de Louis XI, qui n'a pas accédé au trône à cause de la loi salique, donc qui a laissé sa place à Charles. Pas de lance en quenouille. Mais elle a joué un rôle fondamental. Elle a quand même été duchesse de Bourbon, etc. Donc, on peut sans faire mentir la bien chronologie sûr. Montrer le rôle de ces femmes. Oui, il y a tout à fait. Exemple extraordinaire, Aliénor de Titaine, par exemple. Que se serait-il passé si Édouard III d'Angleterre avait pu être roi de France et s'il n'avait pas été évincé par la loi d'exclusion des parents par les femmes, effectivement. Et alors, moi, j'ai le même problème, et je l'ai pris conscience tardivement, en histoire. Moi, j'enseigne l'histoire des idées politiques à la fac, et donc j'enseigne en toute bonne conscience et avec passion l'histoire des idées politiques de Platon jusqu'au XXe siècle, etc. Depuis quelques années, j'ai commencé à repenser mon cours, et qui s'en fait de l'Uchronie, véritablement, et à réintroduire des autrices, des penseurs au féminin, véritablement, de l'histoire des idées politiques, parce que les étudiantes viennent me voir en me disant, depuis quelques années, mais pourquoi il n'y a pas de femmes dans votre cours ? Et alors il y a Anna Arendt, mais pas beaucoup. Et du coup, j'ai commencé par rattraper les choses en mettant un chapitre sur les femmes, et je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout satisfaisant. Donc là aussi, il y a une réécriture qui est nécessaire. On doit sortir de nos modèles, en fait, en réalité. Et l'Uchronie peut quand même nous y aider aussi, quoi. Je trouve que de toute façon, elle reflète aussi les évolutions de notre société d'aujourd'hui. C'est une façon d'un peu de sortir. Et il est grand temps. Hein. Je discutais avec Francesco Verso dans les tables rondes d'avant, il est grand temps qu'on sorte de notre vision européaniste. Hein. Par exemple, en Italie, il y a la science-fiction vraiment internationale, la science-fiction asiatique, la science-fiction africaine sont vraiment bien représentées, alors que nous, c'est encore de temps en temps un numéro spécial de Galaxy, de Bifrost, ou des revues. Ça reste quand même très ponctuel. Hein. C'est pas encore complètement entré dans le... Donc vivement qu'on ait aussi... C'est pas du tout rentré. Franchement... Ouais, tout à fait. Tu es plus strict que moi. Clairement, je sais pas si vous avez remarqué, mais le
le lectorat masculin est surreprésenté dans les chroniques et dans les romans historiques. Mmh. Par rapport à l'ensemble de la littérature où le lectorat féminin est surreprésenté, on est sûr sur du 80-20 optimiste. Je pense que sur l'historique, on est plutôt sur du 50-50, voire 60-40. Ouais. Bien sûr. Ouais. Alors, l'histoire qui est misogyne. Mmh. Encore une fois, l'histoire, c'est un discours. Donc, il faut être capable de le faire, de prendre conscience de ça et de proposer un discours alternatif. Et en fait, l'alternative n'est pas nécessairement sur les événements, ce n'est pas nécessairement une divergence, mais c'est une autre façon de regarder aussi notre... C'est très vrai, Hugo, hein, parce que moi, dans le grand jeu, l'héroïne est féminine. Alors, en plus, dans un monde qui est celui de l'Empire ottoman, où on connaît la place de la femme réelle au cours de l'histoire... Et c'est une des questions qu'on me pose tout le temps. On me dit, mais comment c'est possible? J'ai dit, c'est possible parce que c'est imaginaire et parce que franchement, il est temps de changer et que c'était que ça sert à ça, une uchronie. C'est pas la peine de respecter ce genre de règles. Voilà. Mais je remarque que c'est vraiment la question qui m'est le plus souvent posée. Et les gens viennent me demander comment c'est possible qu'il peut y avoir une héroïne dans un roman tel que ça. Alors je dis, c'est assez incroyable quand même qu'on a du chemin à faire, je pense. Eh oui, bien sûr. On a encore un petit peu de temps, 10 minutes. J'aurais voulu vous entendre sur vos projets d'écriture. Quels sont alors, est-ce que vous allez écrire une uchronie bientôt? Peut-être à la suite de cette table ronde qui est beaucoup trop courte. On a l'impression qu'on a à peine effleuré le sujet. Quels sont vos projets littéraires à chacun? Allez, on va commencer par Franck, hein, puisque c'est notre petit nouveau et en même temps qu'il y a déjà tout un parcours derrière lui, mais il arrive dans notre milieu qui, j'espère, est à la hauteur de ses attentes. Hein. Franck, c'est quoi ton prochain projet? Sur quoi tu travailles? Voilà. Est-ce que c'est de l'uchronie? Actuellement, oui. Non. Mais encore une fois, j'ai beaucoup de repères historiques à travers cette histoire. Je travaille sur une histoire qui va s'appeler Le Braqueur Vert. C'est pour une maison d'édition, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Voilà. Je dois rendre ça pour début juillet. Et le thème, c'était les objets connectés. Donc, c'est la collection, c'est chez Humbert and Curlew. Voilà, tu vois, j'ai toutes les infos. Tout à fait. Donc, je travaille sur ça, les objets connectés. Moi, j'ai choisi d'aborder, j'ai fait parler un personnage qui s'appelle le braqueur vert, qui auparavant donc braqué, mais à des fins écologistes. C'est-à-dire qu'il faisait attention à son empreinte environnementale quand il faisait des braquages. Il allait en vélo ou en métro ou en tramway, et puis et l'argent était reversé à des associations écologiques. Excellent. Donc, et donc, il a une conversation avec un jeune où il parle d'objets connectés. Donc, le jeune lui dit « oui, associé à cela ». Et l'ancien lui dit « oui, mais bon, tout ça, demain, ça disparaît. Le seul véritable objet connecté, c'est l'arbre. L'arbre, il est connecté avec tous les autres arbres dans la forêt, les champignons. » Donc, je travaille sur ça. Je ne suis pas dans l'uchronie, mais quand même, tout au long de cette histoire, je fais toujours référence à l'histoire. Le premier candidat écologiste en 1974, des événements à Brest qui sont passés, où il y a eu un bateau qui a explosé, comme à Beyrouth il y a quelque temps, mais c'était en 1958, par là-bas. Donc, il y a toujours l'histoire qui m'aide. Dans la trame. Tout à fait. Et la petite histoire rattrape la grande histoire. Je travaille sur ça actuellement. D'accord. C'est un roman ou une nouvelle? C'est une nouvelle. C'est une grosse nouvelle. Une novella. Ouais. Petit à petit, tu vas vers le roman étape par étape. Ouais, on connaît ça aussi. Mais moi, j'ai toujours préféré la nouvelle en fait. Patrice, sur quoi tu travailles? Alors, moi, je viens juste de terminer le premier jet de la suite directe d'un album de jeunesse que j'avais donc publié en 2018, hein, qui s'appelait Jeux de vilains. Et c'est pas du tout de l'uchronie, c'est de l'historique. Donc, il y a une facette où ça travaille sur le traumatisme transgénérationnel. Mm-hmm. Et ça se passe dans ma ville, donc Saint-Nazaire, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et aussi sur, on en parlait tout à l'heure, le désastre de 1940. Voilà, donc le personnage est fait prisonnier par les Allemands, etc. Mmh. Et alors là, on est dans le plus que crédible, puisqu'en fait, ma source principale d'information, ce sont les témoignages de mes deux grands-pères, que j'ai eu la bonne idée de recueillir avant qu'ils ne quittent ce monde. Oui. Donc, ça va vraiment être bien fait. Ouais. Voilà. Et puis côté adulte, je travaille sur la suite de mon prix du roman de la gendarmerie, donc toujours chez Plon.
donc la suite des aventures du gendarme Léon Cognard qui vient de quitter la gendarmerie et qui a prévu de s'embarquer pour l'Amérique du Sud. D'accord. En 1919. Voilà. Donc là, c'est pareil, au plus proche possible de la réalité de l'époque, voilà, en utilisant des spécialistes, même en utilisant des spécialistes comme conseiller historique, hein, j'en connais certains, donc je ne vais pas m'en priver. Et les deux devraient sortir en 2022. D'accord. C'est sympa parce qu'en t'écoutant, en même temps, on a cette vision, parce qu'on a insisté tout à l'heure avec Yann et avec toi en particulier sur l'importance de la recherche, le côté extrêmement scrupuleux, mais en même temps, je suis heureux de t'entendre dire aussi qu'il y a ce côté familial, presque émotionnel du rapport à l'Uchronie. Moi, je sais que les Uchronies que j'ai écrites étaient étroitement liées à mes grands-pères, à mes deux grands-pères. L'un, parce qu'il était passionné de musique baroque et donc Tancred était un opéra d'André Compras. Et puis l'autre, qui était passionné de l'histoire de Napoléon, alors même qu'il était italien, en réalité, il jurait uniquement par toute l'histoire napoléonienne. Et c'est aussi ce côté familial qui nous stimule aussi, hein, dans le rapport qu'on a avec cette volonté de revenir, que ce soit dans le roman historique ou dans l'Uchronie. Donc je suis content, ça soit magnifique de pouvoir utiliser les souvenirs des grands-parents comme ça. Bravo à toi. Non, et puis des anecdotes, enfin, on parlait tout à l'heure de la crédibilité de l'anecdote, c'est quand même la grande richesse de l'histoire de pouvoir fournir des anecdotes que aucun écrivain de l'imaginaire aurait pu imaginer. Tout à fait. Et oui, parce que bien souvent, la réalité dépasse la fiction. Absolument. Je vais donner un exemple très simple, et puis après, vas-y. Je m'intéresse. Oui, vas-y. La parole aux autres. C'est que dans le témoignage de mon grand-père, à un moment donné, il y a le bombardement incendiaire sur Saint-Nazaire, le 28 février 1943. Les super forteresses américaines balancent de nuit des tonnes de phosphore sur la ville. Et fort heureusement pour lui, mon grand-père était réfugié avec sa famille à 20 km de là. 20 km. Et quand ils ont vu ça tomber, ils ont eu tellement peur que tout le village a pris ses clics et ses claques et s'est barré à pied dans la direction opposée. Ouais. Parce qu'il y avait une cascade, une rivière de flammes qui tombait sur la ville à 20 km. Et ils se sont dit, mon Dieu, ça va venir jusqu'à nous. Mm-hmm. Et le jour où il m'a raconté ça, je me suis dit, waouh, jamais on pourrait imaginer ça. Même bien en regardant des films, en fait. Bien sûr. Et voilà, c'est la puissance de l'histoire. Abattoir 5 de Von Goethe. Von Goethe, ouais. Ils se sont dit, c'est la fin du monde. Ouais, bah oui, j'imagine. Ouais. Il n'y a qu'effectivement que l'histoire dépasse la fiction, on est d'accord. Ah, sauf à penser que l'histoire est aussi une fiction, mais bon, on ne va pas dire ça. Après, on va se faire taper dessus. Voilà, deuxième table ronde. Benjamin, à toi, sur quoi tu travailles? On finira par Yann. Il nous reste 3 minutes, attention. Allez, je vais faire 1 minute. Ouais. Ah ouais. Je termine mon roman de fantasy, ce n'est pas le sujet du jour, mais il va être vachement bien, je vous assure. Et puis, pareil, en juillet. Je repars en Uchronie avec Pierre Pevel qui m'a fait le plaisir et l'honneur pour une deuxième anthologie. Donc je repars à Paris avec des fées, des gnomes et des dragons. Ça va être super, c'est très drôle, c'est très léger. Et mon prochain roman, ça ne va pas être de l'Uchronie, ça va se passer dans les années 20 entre New York et Paris, mais ça va être de ce qu'on appelle de l'urban fantasy, on va dire, voilà. Mais comme d'habitude, je ne peux pas m'en empêcher, ce sera très cohérent, très proche de l'histoire de l'époque. Et moi, je vais suivre en fait un Harlem Hellfighter, donc c'est New-Yorkais noirs américains qui sont venus se battre en France. Et voilà, donc aujourd'hui, j'apprends l'argot d'Harlem de ces époques et je découvre des trucs incroyables. Donne-nous un exemple d'argot d'Harlem, est-ce que tu en as un? Oui, bien sûr. Par exemple, les Blancs étaient appelés Little Charlie. Donc quand vous étiez appelé dans la rue, on ne vous appelait pas Monsieur Machin, on est « Hey, Little Charlie ». Je kiffe les Harlem Hellfighters. Moi aussi. Très, très romanesque comme sujet. Si tu veux, j'ai de la doc à ce sujet parce que je prends tout. Vous passez à Saint-Nazaire. Parfait. On reste en contact. Voilà. Avec de la grand plaisir. Table ronde collaborative, c'est parfait. Voilà. Donc, d'accord. C'est ce que je vais faire. Et donc, pour l'instant, ça s'appelle Les Portes de Paris. Voilà, j'allais te dire, tu as un titre pour ce projet. Voilà, Les Portes de Paris. Ça s'appelle De Portes. Donc, j'ai acheté tous les livres sur Les Portes de Paris. D'accord. Super. Bon, super, Benjamin. Merci. Yann, allez, à toi. Mon prochain roman à paraître est une histoire post-apocalyptique de fantômes. Donc, ça s'appelle Tous les fantômes du soleil chez Rivière Blanche. Donc, ce n'est pas trop historique, c'est plutôt fin du monde. En revanche, je viens de mettre la dernière main à un manuscrit
sur le maître de moulin, qui est un grand peintre de la fin du XVe siècle, et justement qui m'amène à revoir toute la période historique du dernier quart du XVe siècle, à travers des visions, donc l'époque de Charles VIII et Louis XII, mais d'Anne de Bretagne, etc., avec un prisme, c'est la suite de mon précédent sur Hugo van der Goes, d'une certaine manière, ou le prolongement, avec une vision aussi revisitée à la fois par des femmes, qui sont, il y a beaucoup d'héroïnes femmes, et un côté magique, notamment toutes les prophéties, parce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on a une vision justement matérialiste de l'histoire, mais toute cette époque a été bercée par des prophéties, et notamment Charles VIII qui est parti en guerre en Italie bien avant François Ier et qui aussi mais voulait partir combattre les Turcs dans une grande croisade, il était baigné dans l'idée qu'il y avait une prophétie qui voulait qu'il allait avoir trois couronnes, celle de France, celle de Naples et celle de Jérusalem, et qu'il allait mourir à Jérusalem. Donc il est parti, il a pas forcément été au bout de sa croisade, mais il est parti sur la base de prophéties qui annoncé qu'il serait le nouveau Charlemagne. Donc, on a vraiment ce côté magique et il y a toute une série de prophéties qui ont été énoncées à cette époque-là, notamment sur Louise de Savoie, alors qu'elle était jeune, on lui a annoncé qu'elle serait mère d'un roi. Ça sera le futur François Ier. Et tout ça baigne dans les intrigues historiques parce que tout le monde a peur de ces prophéties. D'accord. Et ce sont des vraies prophéties, tout est authentique. D'accord, prophétie historique que tu as évidemment avec ton côté très scrupuleux que tu connais. Voilà, j'ai été chercher dans toute la littérature. Alors là, c'est un peu les secrets d'histoire aussi, parce que ce sont des aspects qui ne sont pas très très connus, mais alors, bien sûr, j'ai introduit aussi du romanesque dedans, mais en essayant d'être le plus proche aussi de ce qui s'est effectivement passé à cette époque. Très bien, Yann, Patrice, Franck et Benjamin, merci à vous. Alors, je me tourne vers notre ange gardien invisible qui nous dit s'il nous reste du temps ou pas, mais il me semble… On a encore un petit peu de temps ? Combien de temps, à peu près ? Ah, on a 10 minutes de RAM, mais c'est génial. Alors, j'ai un jeu à vous proposer. Il paraît qu'on a 10 minutes de RAM, si vous les avez aussi, les amis. Voilà un petit jeu. Moi, c'est bon. Nous allons construire une uchronie collaborative. C'est-à-dire qu'il y en a un de nous quatre, un de vous quatre, moi je participerai si j'ai le temps, un de vous quatre qui lance un point de divergence et les autres rebondissent dessus et on essaye d'écrire un texte à quatre. Ça vous va ? Alors, comme c'est moi qui lance le… je l'avais prévu, mais je me suis dit on n'aura pas le temps de le faire. Alors, comme je lance le jeu… Je vais faire choisir le point de divergence, c'est mon privilège de modérateur, tu vois Patrice, il y a des pouvoirs qu'on ne veut pas avoir parfois. Donc je vais lancer, oui mais je m'amuse beaucoup surtout avec vous. Si ça avait été moi, ça n'aurait pas été comme ça. Oh mais si, tiens, bah d'ailleurs, puisque tu viens de le dire, eh bien c'est toi qui va lancer. Allez. Allez, alors lance-nous un point de divergence, je te donne un cadre quand même, oui. Un point de divergence qui soit français. On va le faire comme ça. Ouais. Et sur pour qu'on soit quand même dans l'actualité, dans la bulle de présent, sur les cinq dernières années, est-ce que tu as un point de divergence français sur les dernières années ? Ça peut être jusqu'à aujourd'hui. Hein. Tu peux faire un point de divergence sur le Covid, hein, mais je te connais, tu ne vas pas te choisir ça. Allez, un truc quand même… mainstream, hein, pas un truc trop… la réforme du règlement de la gendarmerie de 2018, hein, pas ça. Pas facile ça quand même, hein, mon ami. Ah, je sais. Sur les 5 dernières années, ça nous en allez, ouais. Je peux prendre si je peux élargir un tout petit peu. Allez, vas-y, tu peux élargir. Allez, alors, c'est un jeu. Ça serait partir de la COP21. Allez, donc, très bien. De dire, bah voilà. Tous les dirigeants de la planète se sont réunis à Paris pour dire que le problème climatique était un problème majeur. D'accord. Mais non seulement ils ont décidé de signer un accord, mais de l'appliquer tout de suite et de prendre toutes les mesures qu'il faut pour arriver à zéro carbone fossile
en 2050, donc lancer toute une machine de guerre en disant voilà, c'est pas la guerre contre le Covid parce qu'on ne le connaît pas encore, mais c'est la guerre contre le réchauffement climatique. Donc il faut que tous les pays de la planète, au nord comme au sud, s'engagent et que l'on remette à plat l'ensemble du système politique et économique mondial pour arriver à une société soutenable d'ici 40 ans. Mais là, si je peux me permettre, je pense que tu viens de lancer un nouveau genre littéraire qui s'appelle l'utopie chronique. L'utopie. L'utopie chronique. L'utopie futuriste, j'allais le dire. la science-fiction écologique, quoi. Alors, oui. Ah bah, le solarpunk, comme ça, on est raccord parfaitement avec les autres tables rondes. Alors, du coup, Benjamin, conséquence de cette formidable succès de la COP21. Mais en fait, je ne vais pas me raconter parce que je viens de changer de roman, finalement, et je vais peut-être prendre ce sujet. moi, je vais imaginer une conséquence négative tout de suite. Ah, j'adore. Voilà. Donc, je vais tout de suite imaginer qu'en fait, il y a un coup d'État aux États-Unis pour empêcher l'avènement de cette sorte d'ordre mondial écologique et voilà, et qui est bien évidemment mené par nos amis conservateurs du Middle West, et que donc finalement, le 6 janvier dernier, je crois, le Sénat est réellement pris et les Américains développent un programme économique et militaire pour empêcher que leur règne industriel et économique et militaire prenne fin grâce à l'union écologique mondiale. Excellent, c'est ce que dans l'histoire du féminisme on appelle le backlash, c'est-à-dire le choc en retour. Après une bonne nouvelle, toujours une mauvaise. Franck, à toi de prendre la suite. Alors, les États-Unis en dérive anti-écologiste. Ouais, mais moi, je vais revenir sur ma petite histoire. Je vais créer un petit parfait. Je vais créer un petit personnage qui bosse à Toulouse chez Airbus et qui, malheureusement, on va lui apprendre qu'il va être licencié. Parce que moins d'avions, en tout cas Airbus ne peut plus trop s'aligner par rapport à toutes ces mesures. Donc le gars, il va devoir faire ses valises et il va un peu sombrer, il va traverser des moments délicats. Très bien. Voilà. Il ne serait pas gendarme par hasard aussi? Non, il est chez Airbus. D'accord, il ne peut pas faire les deux, d'accord. Parce que, dit en passant, c'est déjà le cas avec le Covid. Mais oui, bien sûr. Il y a un héros juste à côté de chez moi. Non, mais c'est sûr. Alors, donc, c'est quand même important parce que sans personnage, on n'a pas de vrai récit. Donc, c'est l'histoire d'un personnage qui se trouve finalement à la porte de chez lui. Patrice, il va réfléchir. Comme conséquence du fait que précisément la COP21 a tendu la situation internationale au point de bloquer les États-Unis dans une espèce de révolte anti-écologiste. Et du coup, alors, la conséquence de ça. Patrice, qui est allé réfléchir, il a ouvert la porte des possibles au fond. Je suis allé gérer l'Uchronie qui fait que ça a été rallongé de 10 minutes. Ah, voilà. Et donc, on va finir. Je ne suis pas tout seul dans cette maison. Et moi non plus. Moi, j'ai des gens qui m'attendent aussi. Oui. En fait. Voilà, ça, c'est la dure réalité de l'écrivain. Oui. Et donc, alors, cet employé d'Airbus, alors, que devient-il, Patrice? Ou que devient la situation globale? D'Airbus, du coup, je pourrais rebondir sur la réunion qu'on a eue hier soir, la vidéoconférence sur Terre de zéro. Donc, du coup, essayons de rester positifs. Cet employé, il fait quelque chose auquel il avait pensé, parce que c'était quelqu'un qui avait quand même une grosse conscience écologique. Mmh. Et voilà, il demandait à toute sa famille de trier les ordures, il faisait très attention à ce qu'il mangeait, à manger local, à essayer de vivre dans dans l'autonomie alimentaire. Mm-hmm. Il avait fait exprès d'acheter une maison pas terrible, mais avec un grand jardin pour pouvoir cultiver son jardin à ses heures perdues et pendant ses congés. Et du coup, plus de travail, il décide de franchir le cap, de tout vendre à Toulouse et de rejoindre l'Ariège. Je crois que c'est le bon spot en ce moment, l'Ariège, pour ça. Une espèce de communauté dans laquelle on vit dans des roulottes et en dehors de tout salariat et avec pour mission collective d'avoir le moins d'impact écologique possible, d'arriver à un impact zéro. Mmh. Voilà.
Super, super. Et pour me permettre de participer aussi à cette histoire que j'ai lancée, je dirais qu'après quelques années de vie collective à 0% d'impact carbone, il commence à se dire que quelque part, il ne fait pas assez. Et comme il a toujours voulu écrire et qu'il n'y est jamais vraiment parvenu, il n'avait pas le temps chez Airbus, il était trop occupé, il se prend la plume. Un matin d'aube claire, sans pollution, et il se dit, pour consolider un monde qui va mieux, il faut écrire des dystopies répulsives, et donc il écrit un monde dans lequel la COP21 a complètement échoué. Personne n'a respecté les préconisations de la COP21. La pollution a continué de galoper. Et si les États-Unis ne sont pas devenus une dictature anti-écologiste qu'il connaît, eh bien, malgré tout, la pollution a continué et le monde est allé droit dans le mur. Voilà. Ah, c'est de l'histoire. Bravo. C'est de l'histoire. Bon, les amis, je ne vais pas vous retenir plus. Notre ange gardien on va conclure parce que je sais que vous avez tous aussi d'autres choses. Je vous remercie infiniment. Moi, j'ai passé un super moment avec vous. Et j'espère qu'on restera en contact et puis qu'on se recroisera bientôt, si ce n'est à Nice Fiction 8e édition l'année prochaine. Et si le cœur vous en dit et si vous êtes dans le coin, je profite aussi pour vous le dire, il y a la Convention nationale de science-fiction à Valbonne, dans le sud de la France, sud-est de la France, en présentiel, on espère, en présentiel, du 19 au 22 août, que j'ai la joie d'organiser avec une petite équipe. On parlera de l'histoire des revues de science-fiction, donc si jamais le cœur vous en dit, n'hésitez pas. Et sinon, au plaisir peut-être de vous croiser aux Utopiales l'année prochaine à Nantes, si là aussi, hein, si le présentiel nous est donné, comme on dira. Voilà, en tout cas, merci à tous. Merci beaucoup. Ouais. Et puis, à bientôt. Voilà. Au revoir. À très bientôt. Et, merci à vous. Et on rend l'antenne Nice Fiction. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.